Bon, et ben puisque MC Edit me permet d'enregistrer avec vous, on va le faire. Donc on va c'est ouvrir un monde. Et puis c'est le level date. Bon, comme ça en plus on va voir un petit peu. Attendez, je mets juste un... Voilà, je pense qu'on devrait mieux voir. Ok, alors moi je suis là. Soit j'aimerais bien voir jusqu'où leur map est générée. Pas très loin apparemment. Ah d'accord, puis là-bas apparemment c'est le point de spawn. Bon. Ok. Donc je suis là. Alors. Ce que je veux déjà c'est... Ok, donc il y a quelque chose. Attendez, attendez. Il est là mon joueur. Voilà, hop, déjà. Ça, là, supprimer. Allez. Ok. Donc déselect. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Du quartz, ok, d'accord. Ok, et moi ce que je voudrais c'est changer. Alors je sais pas du tout, excusez-moi, encore mon antivirus, enfin ouais, mon antivirus pare-feu. Par contre moi je voulais voir, c'était au niveau des commandes blocs. Bon, on s'en fout. Ce qu'on va faire c'est juste... Là, là, et là. Non, sérieusement. Là, voilà. Je sélectionne ce cube là. Je peux pas le... Comment je fais pour éditer le command block déjà? Ça se voit que je suis pas habitué au... avec les maps, hein. Non, ça c'est clic droit, c'est pas pour... Command block, ok, d'accord. Annule. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai supprimé au moins. Fill and replace. Ok. Ouais. Ce que je veux, c'est comment? C'est pouvoir mettre ma commande dedans. Ok, entrée pour confirmer. Bah, je sais plus comment avec MC Edit on fait pour éditer le command block. Attendez. World info. Day, time, day. Game type. Ok.
Vraiment que je me rebase sur... enfin, je me recentre là-dessus. Alors... Non, ça, ce sont les options, mais de... De MC Edit, ça, c'est pas les options du... Voilà, faut que je peux pas changer ça là. Game type là? Non, bon. Bon, on va bien voir. On sauvegarde comme ça, on verra bien. Allez, contrôle S. Bon, ok. Et puis j'ai essayé de mettre la commande, mais il veut pas, étant donné que je suis pas en créative. Bon, alors, qu'est-ce qui nous attend ici? Ok, d'accord. Excusez-moi, mais c'est vrai que Affinity HD a des tableaux parfois un peu... Ok, des blocs d'or, ouais. Super intéressant, mais je te rappelle qu'on n'est pas en créative. Tu te fous de moi. D'accord. Des Nether Stars, des diamants. Des diamants, des émeraudes. Ah, des épées, ça c'est intéressant. Oh! Frappe level 1000, puissance level 1000. Ouais, mais... Et alors? Enfin, je veux dire, c'est sympa, mais... Tout ça, c'est pas... Attendez, je vais casser ce tableau parce que... Pas envie d'avoir des ennuis avec YouTube. De la TNT, oh putain. Ah, puissance 1000, enfin puissance 10, ouais. J'aurais bien envie de l'essayer, malheureusement je peux pas poser de bloc, je te rappelle. Des diamants, des émeraudes, des émeraudes, des diamants, de la Nether Star. Et c'est ça leur truc? Non mais tu te fous de moi, y a rien. Bon, si, il y a un stuff complet ici. Alors, mettre puissance sur une épée, ça sert à rien. Faut quand même y dire au créateur de la map. Puissance, c'est pour les arcs. Encore une méga épée. Une machette. Tout ça pour ça. Tout ça pour un coffre rempli de ressources que de toute façon on peut pas utiliser étant donné qu'on n'est pas en mode survie, hein. Je tiens à le signaler. Je vous laisse voir les superbes tableaux d'Affinity HD. Je sais qu'il y en a certains qui sont osés, hein, dans Affinity HD. Mais bon. Ah si, ça continue par là. Ok, il y a leur chaîne YouTube. Your map bug. Je sais pas vraiment si je le prononce bien, mais... No, it's no good. The emerald, no. You... The game say I have emerald and I haven't emerald in my inventory. Voilà. Donc au cas où ils écouteraient cette vidéo, au moins j'ai été clair. Enfin, je pense. Excusez mon accent à la con. C'était quoi ça? Je crois qu'il y avait un silverfish là-haut, mais... Bon. Ok, d'accord.
D'accord, ça je peux casser si je veux, mais ça non, non, non. Ouais, bah oui, logique, ça je peux, mais bon. Ça sert un peu à rien. Ouais, ce sont des trapèzes de chest, mais bon. Voilà, tout ça pour ça. Attendez, c'est quoi? C'est un P4, ouais, de toute façon, ouais. Et les choses? Les choses sont là. Ok. Celle-là, elle est puissante. J'ai bien envie d'essayer ça. On va se trouver un mob. De toute façon, voilà. Ouais, bah oui, tout simplement. Ouais, voilà, one shot, quoi. Bon. J'aurais aimé passer en créatif pour faire le passage de ça. Mais écoutez, voilà, c'est là-dessus que... Franchement, vraiment déçu de cette map. Je suis vraiment déçu. Vous en faites pas, je vais en trouver une autre. On va se rattraper avec une autre map aventure. Peut-être du set blings ou... J'ai pas envie de taper dans le classique, en fait. C'est ça le problème. Vraiment pas envie. Après, comment autre chose, comment je me suis... Je suis en train de chercher, c'est pour pouvoir installer Computer Craft sur... sur... comment? Sur... oui, sur... sur la version 1.6.4 du jeu. J'ai la version 1.6.4 toujours. Et comment? Mais je me suis renseigné sur le langage Lua. Disons que ce que je veux faire, on pourra pas le faire. Donc un peu déçu sur Computer Craft. En fait, le Lua, ce que je voulais, c'était un langage orienté objet. Et en fait, le Lua, son orienté objet, c'est pas de l'orienté objet en fait. Donc voilà. D'accord, et après on retombe sur la flat map. Ouais. Non, sincèrement, je suis déçu. Je suis très très déçu de cette map. On va retourner au spawn quand même pour vérifier un truc. Alors je sais qu'il y avait des coffres cachés. Mais alors pour les trouver. Enfin, voilà quoi. Le diamant, je sais pas où il est hein, dans la map, on s'en fiche. Et de toute façon, vous avez vu, en fait moi je m'attendais derrière à ce qu'il y ait un boss quoi. Je m'attendais à ce que derrière les portes, il y ait un boss, quoi. Une sorte de méga zombie overcheaté à tuer, un Wither, quelque chose, quoi. Non, il n'y avait rien. Que dalle. Juste plein de ressources qu'on ne peut pas utiliser, étant donné que... Enfin, si, on peut les crafter. Enfin, si, comment? Les armures, on peut les crafter, mais après... voilà, quoi. On peut rien construire sur cette map. On peut rien construire, on n'est pas en survie. On est en aventure, donc évidemment, non quoi. Et aucun moyen, même là-bas, même arrivé au boss final, de repasser après en survie.
Enfin, ce que j'ai vu. Ouais, non, bah non, franchement, très déçu. Bah écoutez, bah de toute façon, on va s'arrêter là. Je retourne juste au spawn avec vous. On va juste vérifier au spawn s'il n'y a pas quelque chose qui serait apparu entre deux. Mais pareil, je veux dire, il y a un truc quand même assez ahurissant. Alors premièrement, c'est le... Comment? Le TP au début là. Et puis même les plaques de pression. On peut, avec les commandes blocs, dès la 1.7, je le sais, je le fais sur le serveur, on peut faire des détecteurs de joueurs avec les commandes blocs. C'est la commande test for et non E pour repérer le joueur, ils utilisent des banales plaques de pression. Franchement, rien que ça... Rien que ça, je dis, c'est naze. Il pourrait très bien faire des détections de joueurs avec le test fort dans les commandes blocs et des boucles spécifiques. Franchement, non, quoi. Très, très déçu. Je vous dis, je sais pas quel âge ont les créateurs de cette map, mais à mon avis, ils doivent être assez jeunes. Ils ont dû faire ça pour le délire, mais... Ouais, bon. En plus, j'ai l'impression que pour la map, en fait, ils ont surtout coupé, c'est une map générée aléatoirement. Enfin bon, écoutez, non, ben écoutez, de toute façon le spawn, je vais pas le retrouver, je dois être assez loin du spawn, je crois. Je me suis paumé dans la jungle. Donc voilà, donc ben écoutez, sur ce, ben je vous remercie quand même d'avoir regardé cette micro-série qui aura duré 5 épisodes, je pense. Et puis voilà quoi. Ça vaut le coup d'uploader cette série. Je me demande si ça vaut le coup d'uploader la série en fait. Non, bah écoutez, bah sur ce, je vous dis à bientôt.